Entre le boom de la seconde main et l'interdiction pour les marques de détruire leurs invendus, on a tenté d'imaginer à quoi ressemblerait le e-shop de demain dans un mode 100% circulaire. Imaginez une vaste marketplace où on peut devenir revendeur en un claquement de doigts, où seuls les produits de qualité résistent à l'épreuve des ventes successives, où les marques sont notées pour leur exemplarité ou pointées du doigt pour leurs aberrations environnementales. Allez, go, on vous explique ce que ça change dans le futur. On en est où aujourd'hui? Encore majoritairement dans un modèle économique linéaire. On produit, on achète, on utilise et on jette. L'idéal, c'est d'imposer le modèle circulaire. Et c'est déjà ce qui est en train de se passer avec la loi anti-gaspillage. La circularité, c'est le fait d'acheter un produit, de le porter, de le revendre, de le réparer pour lui offrir une seconde, une troisième ou une énième vie. Un système viable sur le long terme qui permet de limiter l'exploitation des ressources en favorisant l'usage d'un objet plus que sa possession. L'achat-revente deviendrait un réflexe. Pas besoin de neuf pour renouveler sa garde-robe. Les options d'occasion fleurissent sur les sites e-commerce et il s'agit d'une tendance de fond. On pourra acheter un produit de plusieurs façons. Neuf, occasion issue de la marque, issue de leur stock, retour de clients non portés, prototype ou vêtements présentant un défaut mineur. Le vêtement pourra alors transiter par la marque ou être envoyé de particulier à particulier, comme on le connaît déjà sur Vinted. Un peu comme quand on achète un bouquin sur le site de la Fnac, mais pour toutes les marques et tous les types de vêtements. On vous propose le meilleur scénario dans le futur. Idéalement, on peut imaginer qu'une fiche sera créée pour chaque produit avec conseil d'entretien, sa composition, à qui il a appartenu, antécédents de réparation, de retouche, etc. Cette fiche facilitera son authenticité et sa transparence. Pour que leurs produits soient revendus, les marques devront créer des pièces plus durables. Elles devront aussi analyser et partager le cycle de vie de tout produit mis sur le marché. On pourrait établir un système de notation bonus-malus sous forme de couleurs et pictogrammes pour reconnaître quel est le vêtement de qualité de celui qui ne l'est pas. Il y aura aussi probablement un index de réparabilité sur les vêtements dans le futur. Lors des reventes en ligne, les clients recevront une rétribution en cash ou en bon d'achat en contrepartie. Ce système permet de devenir ambassadeur d'une mode plus responsable ancrée dans un système de circularité. Enfin, les e-shops proposeront un service de reconditionnement et réparation, le leasing de certaines pièces de luxe et une assistance pour une cartographie des points d'apport volontaires des produits en fin de vie en vue d'un meilleur recyclage. Permis de rêver, non ?